Comme vous le voyez derrière moi, je me trouve à Phnom Penh, au Cambodge. Vous vous souvenez qu'ici, il y a une quarantaine d'années, l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle a eu lieu. Sous le régime de Pol Pot et des Khmers Rouges, un quart de la population cambodgienne a péri. Et je me trouvais ici d'ailleurs il y a une dizaine d'années pour couvrir le premier procès d'un de ces anciens responsables Khmers Rouges, qui a été un événement hors du commun dans l'histoire de la justice pénale internationale. C'est ce genre d'histoire que nous couvrons aux quatre coins du monde à Justice Info avec notre réseau de correspondants. Ces histoires qui racontent comment les sociétés à travers le monde qui ont traversé des violences de masse essaient d'enquêter, de comprendre, de juger, de réparer après de telles violences qui ont complètement mis leur société sans dessus dessous. Ce qui est étonnant, c'est que les médias locaux, dans leur majorité, se sont alignés sur le positionnement hostile à la justice transitionnelle des partis politiques majoritaires. Le public s'est rendu compte très vite qu'il pouvait compter sur les papiers de Justice Info couvrant l'actualité de la justice transitionnelle pour se tenir au courant d'une manière indépendante et professionnelle par rapport à l'évolution de ce processus, par rapport aux auditions publiques par exemple, par rapport aux témoignages des victimes, par rapport aux chambres spécialisées, par rapport à la rédaction du rapport final de l'instance vérité et à d'autres thématiques et à d'autres enjeux liés à la justice transitionnelle. Je pense que mon travail pour Justice Info documente le processus et c'est très important. C'est très important pour les historiens qui vont travailler sur cette phase, pour les victimes elles-mêmes qui ont vécu des abus très graves et pour tous les Tunisiens. Finissons-en avec cette amnésie que nous vivons depuis des années et des années. Con el joven de Rey Mosquera Castillo. Y esta es el 775. Mis demás datos se encuentran registrados en la sala de reconocimiento en un momento procesal posterior. After a 50-year-long conflict and a historic peace agreement in 2016, Colombia is finally in the middle of a transition towards peace. And a key piece to that is the transitional justice system which it set up, which is one of the most innovative and ambitious in the world. But the real challenge is, how does it go from paper to real life? Covering that is what we have tried to do at Justice Info, trying to understand all of the complexities that come together in order for this to happen, for victims to have truth, for victims to have redress, for victims to have justice, and finally for all of us to have non-recurrence of the violence that has affected us so much. Basically, what we have tried to do is look at all the issues that come into play, that victims care about, that Colombian society needs to know about, in a nuanced, informative, constructive way. And that's what the opportunity that Justice Info gives us as Colombians and gives us as journalists. You go deeper into the issues and you realize that, as far as you know, you were probably the only girl in your family. It's very significant to cover the Truth Commission in the Gambia for us, because this is Gambia's first Truth Commission and also the country's most significant institution that is tasked with dealing with crimes of the former president who has ruled, Yahya Jammeh, who has ruled Gambia for 22 years. And during this time, a number of things have happened. And this is a time that this country is trying to move on, but in order for it to move on, it needs to address the past. And you can't, as they say, justice must not just be done, but it must be seen to be done, and that's where we come in. And we can safely say now that we have, in the Gambia section of the Justice Info website, probably the most thorough summary of all the sessions of the Truth Commission. En 5 ans, nous avons ainsi écrit sur plus de 100 pays. En 2019, c'est près de 300 000 visiteurs qui sont venus sur notre site. Depuis septembre 2018, nous avons plus que triplé l'audience et depuis le début de l'année, on a fait plus de 30 %.
Et nous espérons donc vous retrouver dans nos colonnes, que vous soyez au Cambodge, au Brésil, au Liban, en Allemagne. Et nous assurerons que la justice soit vue pour être mieux rendue.